flash d'information. Patrick Hachy reçu en audience par le président Henri Conan Bédier. Il était à Daoutreau pour présenter ses condoléances au président Bédier, suite au décès de son proche collaborateur, Conan Henri. Patrick Hachy a aussi traduit ses condoléances à la famille du défunt. Reprise des élections législatives à Jacqueville. Madame Marie-Ange Akaadjo est la candidate de l'opposition. Souhaitons-lui bonne chance. Julius Malma, député en Afrique du Sud après l'incident avec Mariam Traoré d'Ibié qui s'éparle. Je comprends pourquoi les compatriotes africains fuient leur pays. C'est le genre de hooligan qui les dirige. Les pays francophones admirent toujours leurs colonisateurs et vénèrent toujours les symboles de la France. Didier Drogba rend une visite à Emou Sylvestre, maire de Port-Bouët. L'honneur était pour moi, le vendredi 4 juin 2021, de recevoir l'ex-footballeur international ivoirien, Didier Drogba, qui a bien voulu nous rendre visite ce matin. Une visite de courtoisie et de travail dans laquelle, nous avons pu échanger sur différents projets de développement et d'impact des communautés. Tous deux natifs de Port-Bouët, il est donc important de mutualiser nos efforts pour l'essor de la commune mère. Et pour débuter, j'annonce que notre icône nationale a décidé sans hésiter d'être le parrain de la journée du bachelier, JBAC, 2021 initiée par la municipalité. L'occasion était pour Didier Drogba de visiter les locaux de l'état civil afin de constater les dispositifs modernes installés. Je suis convaincu que cette rencontre sera davantage fructueuse pour la commune de Port-Bouët. Retour du président Laurent Gbagbo, le ministre Kakabé. Le président Laurent Gbagbo est un homme libre, c'est à lui de décider quand il rentre dans son pays. Nous avons appris qu'il rentre le 17 juin, nous prenons acte. Intervention après sa rencontre avec la direction du FPI ce 2 juin 2021, à la Riviera 3. Fin de ce flash d'information. Prochain flash dans quelques heures.